Encore une nouvelle journée. Est-ce qu'elle sera à la hauteur pour remplir l'immense vide qu'il y a au fond de toi? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment parler de journée? Il est sûrement déjà 19h. Pressé de fumer ta clope et de boire ton café. S'il n'y avait pas ça, je ne sais pas si tu aurais une raison de te lever. Ton addiction à la caféine et à la nicotine est ta seule motivation pour vivre. Une fois ce moment passé, le reste de ta journée perd à nouveau tout son sens. Oh putain! Encore un foutu mail où tu vas encore mettre 3 ans à répondre? On essaye de te contacter. Cherchez pas, les gars. Tu restes tétanisé devant leur message. Toi et les contacts humains, vous savez. Tu sais pas si tu as du mal à répondre parce que ça te tient trop à cœur ou parce que t'en as rien à foutre de rien. Ce qui est sûr, c'est que tout est trop dur pour toi. T'es pas quelqu'un de fiable. Tu as peur de tout. Un simple coup de fil, une demande précise sur l'heure où tu arrives et ton cerveau se paralyse. C'est ça. Refume-toi une clope. Tu n'es bon qu'à ça de toute manière. Évidemment que tu vas te remettre à boire. Qu'est-ce que tu crois? On ne chasse pas ces vieux démons comme ça. En parlant de démons, il est encore là, lui? On dit qu'on doit apprendre à vivre avec nos démons. Et si c'était toi, le démon, et que tu devais apprendre à vivre avec tes anges? Allez, tu vas encore revivre des moments heureux du passé juste en respirant un bol d'air frais? Mélancolique de merde. L'année dernière, t'étais pas heureux et tu regrettais l'année d'avant où tu ne l'étais pas non plus. Et cette année, tu ne l'es toujours pas et tu regrettes quand même l'année dernière. Quel est le sens à tout ça? Enfoiré de cortex et de souvenirs olfactifs. Quand est-ce que tu sauras vivre dans le moment présent? Ouais, retourne sur le canapé. Ça vaut mieux pour toi.
Trop peur de sortir, trop peur de la foule, trop peur des transports et trop parano pour foutre un pied dehors. Tu portes ton masque comme un handicap. Tu dois faire avec, vivre avec, ne pas te laisser couler. Et pourtant, tu n'as pas encore touché le fond. Tu es sûr qu'en touchant vraiment le fond, tu y trouveras un trampoline qui représente le vrai toi et qui te fera rebondir en dehors du gouffre. Oh, tiens. On te voit rarement ces temps-ci, toi. Putain, tu es si rare, si précieux et si éphémère. À mesure que le temps file, tu nous files entre les doigts, tout comme ta vie. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Le seul moyen, c'est de faire à ton rythme, de mieux te connaître, connaître tes limites, tes forces, tes faiblesses. Et ne plus te sentir comme une merde face aux gens qui te prennent pour un moins que rien. On cache tous des démons dans un placard, mais il faut remplacer ce qui vous détruit par ce qui vous fait du bien. Remplacez le désordre et le chaos par la propreté, reflet de la netteté de l'âme. En commençant par son propre chez-soi. Et enfin, prendre soin de soi. Remplace la déchéance par l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes juste invisible.